Salut tout le monde, c'est Things43. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur PC Building Simulator. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Donc la dernière fois on était monté donc au niveau 4. Donc aujourd'hui on va voir comment on pourrait continuer à faire les quêtes. Celui-là on peut toujours pas le faire. Il nous en manque pas beaucoup pour avoir la troisième étoile. Donc on va faire ça. Donc mon PC gamer ne démarre plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, il s'arrête sur l'écran du BIOS. Du coup il nous faut Ok. Alors, 15 ans de bonheur de la planète Batimor. Ok, blablabla. Supprimer les virus. Ok. Là. Processeur, il veut des câbles de plastique blanc. Qu'est-ce qu'il a comme processeur du coup? Il a un Ryzen 3 quad-core 1300X. Du coup, processeur. Processeur, c'est le processeur, c'est là. Il a un budget de 300, donc ça va, on est large. Du coup, on va lui prendre le 1500X. Tac. Et toi? Ok, nouvelle pièce disponible. Du coup, on va commander les pièces. Sachant que pour la pièce qui nous manquera pour celui qu'on doit diagnostiquer, ben, je la commanderai pour être livrée le jour même. Certes, ça coûte un peu plus cher, mais on a les moyens. Allez, let's go. On va au travail, tac. Bah on va prendre celui qui a diagnostiqué, ça sera fait. Alors. Donc tout simplement, on va brancher le PC pour avoir accès au BIOS et le BIOS nous dira c'était quoi qui. Moi je penserais à une histoire d'un processeur. Voilà, processeur introuvable, je m'en doutais un peu. Donc, qu'est-ce qu'il a comme processeur? Il a un Ryzen 5 en plus. Donc, il a hop, la boutique, CPU. On va lui reprendre le même. Mais pour être livré le jour même. Voilà. Tac. Installer CPU processeur. Tac. On n'oublie pas de remettre de la pâte thermique, bien sûr. Désolé pour ce bruit. Alors lui, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Non. Donc installer refroidisseur CPU. Hop. Ah oui. J'ai oublié pas de remettre la petite barre. Tac. Tac. Et on remet le câble. Parfait. Donc lui, c'est fait. Après toi. Les virus. Donc on va déjà installer la clé USB, ça sera fait. Allez, on met les câbles. Hop, scanner antivirus.
Allez, on redémarre le PC. Voilà. Donc toi, c'est bon aussi. Allez, à toi. Donc toi, voilà, c'était la pièce processeur et fallait les câbles blancs aussi. Donc on va déjà enlever tous les câbles. Tac. Voilà, hop, hop. N'oublie pas de remettre de la pâte thermique. Voilà. Refroidisseur de CPU, hop. Et il faut des câbles de plastique blanc. Voilà. Tac, tac, voilà, on rebranche la tour correctement. Tac. Parfait. Allez, on va pouvoir encaisser tout ça. Allez, hop, 5 étoiles, parfait. 5 étoiles aussi. Ah, 4 étoiles. Et au moins, je peux accepter celle-là, c'est génial. Du coup, on a des nouvelles pièces, donc un nouveau disque dur, ok. Une nouvelle carte graphique en 2 Go, ok. Alors, du coup... pour ma machine répond ok. Donc on a un budget de 800 $ pour lui changer sa carte graphique et 16 Go. Alors déjà carte graphique t'as quoi? Ok. Et en niveau des RAM t'as 8 Go mais de Team, okay. Team Group. Attendez, c'était lesquels Team Group? T-Force, Dark Silver, ok. Donc mémoire. Celle-ci et carte graphique on va lui prendre la plus chère hein. Voilà alors pour toi donc ça bah ça c'est fait juste que je supprime le mail toi. Ok, donc lui c'est pareil que l'autre. Il veut 16 Go une carte graphique en plus. Les composants MSI sont fantastiques. Ok. Donc il a une chaîne Titan XL8 Go 2133. T'as un budget aussi. Ah, t'as un petit budget toi par rapport à l'autre. T'as quoi comme carte graphique? T'avais une RX 560. Tac, et mémoire, il a dit. On a dit. Une chaîne comme ça. Voilà. Je fais un peu bien. Ok, t'as un budget de 250. T'avais quoi? T'avais une R9. Ok. Et pour 250.
On peut lui prendre. Voilà, celle-ci. Et il avait quand même une R9 370, un gaming 4G. Je peux pas lui mettre une 2G. Un peu bête de ma part ça qu'il avait celle-ci. Sauf que vu son budget mais il faudrait prendre celle-ci quoi. Et toi, tu veux 16 Go de RAM, mais pas d'occasion. Ok. Sachant que t'avais une chaîne Titan aussi. Tac. Du coup, c'était laquelle qu'on a supprimée? C'était celle-ci. Voilà, on verra bien les amis. Du coup, on va juste faire ces derniers lives, puis on s'arrêtera là. Et on va commencer par celle-ci, qui est bien poussiéreuse. Alors, du coup, elle, c'est carte graphique. Du coup, attendez, c'était Uber, je sais pas quoi. Donc, lui, c'était les MSI. Ok. Alors avant tout, on va souffler ça. Voilà. On va retirer ça. Tac, carte graphique, donc lui on a dit c'était la MSI, c'était celle-ci, et je crois que ça c'est celui qui avait un peu plus de budget si je dis pas de bêtises, il avait 500 de budget lui. Donc non c'était pas lui. Tu carte graphique, donc c'était celle d'après. Ça doit être celle-ci. On verra bien quand on va l'alimenter de toute façon. Genre maintenant. Si on voit que ça a été ça ou pas. Ouais. Nickel. Et du coup, faut qu'on rajoute une barrette de RAM. Donc l'autre, elle est où? Allez sur le premier slot. Hop. Tac, 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 tac. Non, pas ça. C'était ça, voilà. Tac, et ça. Voilà, parfait pour celui-ci, c'est bon. Après, pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, ah mais c'est dès la pièce donc c'est celui qu'on pouvait pas faire.
Donc lui, c'est la marque Team Group qu'il aimait bien pour les RAM. Et lui, c'est celui qui a eu le plus de budget, je crois, pour ça. Ouais, 100 dollars. Donc là, pareil, tac, on enlève ça, on lui met Kir Graphique, c'était celle-ci. Voilà. Hop, et des RAM en plus. On met les câbles. Donc, je tenais à vous dire aussi, ce let's play là terminera une fois qu'on aura fait, genre, je sais pas, une mission où on devra monter un PC tout seul. Enfin, un PC entier. Donc, on aura fait le tour. C'est vrai qu'à part, ça doit être répétitif comme jeu. J'ai plein de jeux de simulation, donc ça va. Voilà, donc lui, c'est bon aussi. Allez, on passe à ce duo. Donc toi, c'était quoi? La RAM jusqu'à 16 Go. Ok, donc c'était Amanda. Ok, c'était juste par rapport à elle voulait pas qu'il y ait des pièces d'occasion. Donc, hop. Hop. Mémoire. Voilà. On branche les câbles. Si j'arrive. Voilà, parfait. On peut tester. Nickel. Allez, donc le dernier. Donc lui, c'était carte graphique. Et évidemment, c'est de ce côté-là. Du coup, lui, c'était celui qui avait pas beaucoup de budget, je crois, pour la carte graphique. Ouais, qui avec 250. Donc avant tout, hop. Voilà, on retire l'ancienne carte graphique. Et du coup, on va y mettre, c'était laquelle? Je crois que c'est elle. On verra bien dès qu'on va brancher. Ouais, nickel. Tac. Pièce PC, on va remettre le verrou. Et tac. Et voilà, on peut remettre ça dans le truc de livraison. Et allez, on va se faire encaisser les sous. Quatre étoiles. 5 étoiles. Comment ça? Je l'ai respecté. Ah non, je savais pas, peut-être. Oups.
Désolé. Allez, du coup, on va juste voir ce qu'on a débloqué et on s'arrêtera là. Du coup, des nouvelles cartes graphiques et un nouveau disque dur, ok. Ça, c'est des refroidisseurs après une RX 470 Gaming Budget, ok. Et des RAM, pas mal. Un nouveau disque dur et des nouvelles cartes graphiques. Et du coup, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!